Bonjour, je m'appelle Sophie Toussaint, donc habitante à Neuf-Maisons depuis 3 ans. J'ai la chance d'avoir un beau petit garçon de 2 ans et demi qui est donc à la crèche pour le moment. Donc c'est vraiment une très grande opportunité d'avoir une crèche tout près de chez soi où il y a beaucoup d'enfants, des personnes très intéressantes qui aident à l'éveil, avec une ludothèque, un centre culturel, avec aussi des animations pour les tout-petits. Et donc vraiment, je suis très contente d'être dans cette ville et Yann va bientôt d'ailleurs aller en maternelle au mois de septembre à Neuf-Maisons. Bonjour, je m'appelle Fabrice Picot, j'ai 38 ans. J'ai également beaucoup de plaisir à vivre à Neuf-Maisons depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et le plaisir est à tout niveau, puisqu'à Neuf-Maisons, il y a pratiquement tout, les commerces, une vie associative très riche. Et pour ma famille et moi-même, c'est très intéressant de vivre à Neuf-Maisons et pas que pour la fiscalité, puisque en tant que nouvel habitant, c'est une des premières choses que l'on regarde, mais c'est tout un espace de vie, c'est quelque chose de très agréable, on fait des rencontres avec des gens très gentils, voilà. Donc un grand plaisir, et c'est pour cette raison que j'ai rejoint la liste de Jean-Paul Vinchelin, parce que c'est un ensemble qui me paraît équilibré, un ensemble d'expériences et de compétences. Et je suis très ravi que Jean-Paul Vinchelin laisse la parole aux nouveaux habitants de Neuf-Maisons, qui certes ne vivent pas là depuis très longtemps, mais qui ont aussi peut-être des idées pour la cité.